Les 7 heures dans tout studio Télévision nationale d'Haïti, Delma 33, Port-au-Prince. Les 9 heures dans le pays Japon et les 13 heures dans le pays la France. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous aujourd'hui 5 janvier c'est là pour capable présenter tout élément information. Rapidement, mes grands titres qui ont dominé l'actualité, le président de la République, Jovenel Moïse, remet jeudi 4 janvier un lot matériel, l'eau, par la direction départementale, le ministère des Travaux publics, Transport et Communication, pour faire travail infrastructure dans le département. Le matériel sera distribué dans le cadre préparatif pour lancer la caravane de changement dans le département nord, pays d'Haïti. Le gouvernement a annoncé qu'il prend toutes dispositions pour accompagner le département qui est capable de victimes en bas mauvais temps qui a frappé le pays d'Haïti. Autorité ont continué à demander la population pour l'irriter vigilant. Gen gaz disponible dans le pays d'Haïti, pas gen aucun raté gaz sous marché. C'est parole le directeur général du bureau monétisation programme aide à développement Fizeme Ignace Saint-Fleur. Et puis à l'étranger, 3 personnes mouri, 3 autres disparaître dans le pays de la France à cause de tempête Eleanor qui frappe plusieurs départements dans le pays là. Gros la pluie et neige continue à tomber sur la France qui menait gros inondation. C'est pour ça à quelques n'a gain pour capable porter pour dans journal aujourd'hui là, n'a pas petit pause tout côté pas déplacer dans tourner. Développement information, merci pour fidélité et attention. Président République Jovenel Moïse accompagné à plusieurs parlementaires et autorités dans la ville Cap-Haïtien remettant un lot matériel à travail par responsable ministère Travaux publics, Transport et Communication dans le département Silla hier jeudi 4 janvier 2018. L'équipement ça pour servir pour capable renforcer travail infrastructure sur plusieurs chantiers dans le département Silla. En nous suivant extrait dans micro unité mobile télévision nationale d'Haïti. Ça nous est là comme équipement, c'est équipement qui vient pour que route dans tout département, directeur départemental là, ministre travaux publics là. Ministre, levez-moi pour peuple là-haut. Ministre travaux publics là, 4 par 4 là. Levez-moi pour peuple là-haut. Ministre là, gagne instruction formelle pour chaque direction départementale. Yo, yo gagne équipement pa yo. Yo gagne brigade topographie pa yo qui pour permettre tout travail qui pour faire dans route yo. C'est pas Port-au-Prince. C'est pas Port-au-Prince pour technicien sorti. Technicien yo a sur place. M'a dit nous tout ensemble. Équipement ça yo c'est l'argent nous cacheté yo. Équipement ça yo yo gen contrat sou yo pour réparer yo avec entretenir yo pendant 12 001. Ça veut dire plus que 4 ans ou un mandat qui rete nous. Leur équipement ça en panne. C'est compagnie qui vend yo a cap vinn ranger au bail l'état gratis ti chéri. C'est ça qui gagne un contrat ça. Qui gagne un côté leur équipement par nos green filter directeur départemental là va l'obliger tonne 3 mois pour équipement rangé. D'ailleurs compagnie qui vend équipement yo, si on fait 60 jours yo pas venir ranger yo supposé mettre l'autre équipement de remplacement parce que dérapé caravane dans dérapé 7 février 2018 pas gagne camper et me dit clé caravane non. Ma remettre président qui venir en Cléa le 7 février 2022. Pendant 4 ans Cléa, le nord a bien 400 km de route asphaltée en dedans. Avec remise en matériel, ça y est, chef l'État engage la bon côté collectivité territoriale pour faciliter yo gérer des déchets plus bien. Président République la Jovenel Moïse encourage mairie pour capable travailler dans l'intérêt population haïtienne à nous suivre. À partir d'aujourd'hui, il y a Fatra son petit problème. Parce que il y a un équipement qui pour camper, qui pour faire Fatra peur. Mais seul samedi, nous, je dis chaque monde qui a un job pour ramasser Fatra Kaimundo, il faut prendre précaution parce que la rue a monté pour toi.
l'on ramasse Fatra Kayon Moun, la mairie Jodia, délégation départementale, la police, tout le monde pour le camper, mettre tête yo ensemble, pour veiller en haut, veiller en bas. En moun, l'on campe, ou pour le ramasser Fatra Kayon Moun, ou pap kapre Fatra encore pour venir mettre elle pour le faire bouquer fleur dans la rue. Nous prenons le travail avec mairie pour que le site de décharge provisoire pour mairie d'un côté avec SMCAS pour y aller mettre Fatra, là retirer Fatra la ville là pour Fatra arrêter pour tourner bouquet fleur Kayon. N'a précisé dans le cadre remise matériel sur le département non paysan. TNH te permet de suivre en direct remise là hier jeudi 4 janvier. N'importe la question mauvais temps prévisionniste Nicole François Seloman, ministre intérieur à collectivité territoriale Max Rudolph Saint-Albin, à directeur protection civile la docteur Jerry Chandler, bah une conférence ensemble pour capable parler ce mauvais temps qu'a traversé pays d'Haïti depuis plus passé 48 ans. Nicole François Selom expliquait que ce n'est pas un cyclone, mais c'est ça qui est un fond froid qui la cause tant à bas et la pluie comme ça. Prévisionniste, dans ce sens, a invité la population haïtienne pour être capable de faire preuve de prudence si tout le monde qui était dans la zone qui risquait. En nous suivant extrait d'intervention. Nous avons constaté que depuis hier, Gotha qui maussade au niveau pays d'Haïti avec activité la pluie. Un peu partout. Qui ça qui explique ça? C'est parce que, au niveau atmosphère, nous, pour le moment, nous avons une masse d'air froide qui rentre, ça nous relève un front météorologique, et aussi qui accompagne avec une zone de basse pression qui chita dans le sud-ouest, bassin Caraïbes. Donc, système ça, il y a météo ensemble, et en plus, il y a un autre paramètre météo qui c'est en creux, qui au niveau canal du vent. Donc, c'est trois paramètres ça, qui mettent les ensemble pour porter beaucoup, beaucoup humidité au niveau région. Donc, ça permet à ce que grand pile nuages convectifs, quand nous parlons de nuages convectifs, ça veut dire des nuages porteurs d'averses, nuages qui sont capables de permettre à ce que un pile la pluie tombe sur le pays d'Haïti. C'est ça que nous gagnons comme condition météorologique. Fond pour le moment, il est au niveau partie centrale Cuba et il a dirigé au niveau pays d'Haïti d'ici à soyen. Et tendance là montre que aussitôt que fond est rentré, surface, alors face à l'ouest pays d'Haïti, les capables de venir un petit genre stationnaire, ça veut dire rester chita là. Donc c'est ça qui est un petit genre plus inquiétant qui pourrait permettre à ce que l'activité la priorité tendait au niveau pays d'Haïti pendant l'après-midi, à soyant demain. Et nous espérons à partir de samedi, capable de gagner un petit accalmie. Mais par rapport à l'humidité que France a lié charrier au niveau région, ça permet à ce que le temps était très humide et qu'il y a un risque tout pour avoir la pluie qui continue à tomber même dimanche, voire en début de semaine prochaine. Et la pluie, ça y est, c'est des pluies régulières. Ce n'est pas des averses spontanées comme en été, nous avons de fortes averses, mais c'est plutôt une pluie régulière. Ça veut dire la pluie qui prend tout le temps pour y tomber et permettre à ce que gagne des débordements des rivières et produit ça nous relève inondations classiques, ça veut dire inondations lentes au niveau de quelques régions. Donc situation ça permet à ce que nous restions très vigilants au niveau service national météo pendant nous suivre évolution paramètres météo et diffuser bulletin autour pour public là et inviter eux à rester très très vigilants surtout pour monde qui vivent dans zone à risque inondation éboulement avec glissement de terrain. Gagner conditions maritimes dans tout qui pas tranquille surtout au niveau côte nord même au niveau golfe de la Gonâve avec côte sud pays c'est des vagues qui montaient plus de 9 pieds et dimanche n'a pas tant encore une mer qui a vraiment déchaîné au niveau côte nord là avec des vents qui a dépassé 50 nœuds donc là n'a demandé vraiment pour capitaine embarcation pour rester très vigilant et nous sûr que instances concernées comme Semana a pris des mesures pour mettre interdiction au niveau cabotage pour côte nord et voir et d'autres zones qui sont capables affectées par paramètres météo. Donc, nous avons à suivre l'évolution de temps et permettre à ce que la population soit informée par rapport à conditions météorologiques. Directeur protection civile là, Jerry Chandler, bon côté parler, m'a des populations pour capable continuer suivre consignes météo yo, yon façon pour capable éviter moun yo mourir et puis mettre papier yo yon côté de l'eau pas capable aller avec yo. L'étonnamique Marie Jolie ak Laurent dans les Jean-Jacques. Protection civile rappeler
précautions avec précautions d'usage que la population doit appliquer et doit respecter pour nous passer période de perturbation météorologique ça, sans trop gros problèmes. Donc, comme nous connaissons que gagner situation ça, situation météorologique particulière ça qui présentait là dans début année, nous demandons pour tout le monde qui était dans zone à risque, tout le monde qui était dans zone côté que terre capable de déboulonner, ça a fait éboulement, tout le monde qui était dans côté qui capable de gagner inondation, pour yo appliquer vigilance et aussi pour yo capable de coûter différents consignes que direction de protection civile à travers le ministère intérieur a bien pour communiquer. Particulièrement, nous avons même de tout le monde qui était dans la zone SAO et qui a risque de type de problème que nous avons cité là, pour vous préparer, si vous avez pour vous évacuer, à ce moment-là, l'autorité responsable, l'autorité protection civile de la zone SAO, a bâillé une instruction et à ce moment-là, pour vous capable d'appliquer l'instruction et suivre ce que vous dites pour vous faire. Et nous demandons tout le monde pour vous sécuriser tout matériel, tout les papiers, tout important, tout médicament avec bagage qu'on a besoin dans moment et que intempérie a passé à pour ne pas prendre de l'eau, pour ne pas perdre l'eau. Parce que très souvent lors nous gagne inondation, un gros problème c'est le fait que moun qui victime yo sorti perdu matériel ou bagage qui important qu'on a besoin pour yo capable continuer activité yo, activité qui vitale pour yo. Nous n'a persisté encore sur le fait que activité cabotage pral interdit à partir de après-midi. Nous travaillons déjà avec Semana sur ça et Semana pral sorti en note. Nous demandons à tout pêcheur, tout le monde qui a fait cabotage autour de côte île d'Haïti pour yo camper activité jusqu'à nouvel ordre. Parce que effectivement, pral gagner la houle, nous pral gagner phénomène nordé qui a commencé à partir de demain et nous avons gagné des vents de 40 à 60 km à l'heure. Nous pral gagner des vagues qui a monté jusqu'à 7, jusqu'à 8, jusqu'à 10 pieds. Qui va rendre la mer difficile pour pratiquer. Donc à ce moment-là, nous t'aimerions que tout le monde qui est habitué à faire opération ça yo, pour le moment, font camper yo en façon pour capable éviter et malheur qui capable arriver si elle aventurer tête dans la mer. Moun ki gen bateau yo, s'il vous plaît, mare yo bien, sécurisez yo en façon pour si de l'eau monter, si inondation fait pour nous pas perdre du matériel, nous matériel de pêche, matériel et bateau etc. Nous demandons des populations de manière générale pour prendre précaution d'usage, par jambé rivière qui est en cours, l'autre l'eau descend, pas traverser de l'eau. Youn parler avec l'autre pour communiquer au message ça, même si n'a fait tout effort pour nous capables diffuser message au maximum dans radio communautaire et même dans téléphone mobile. Jean ministre a annoncé là tout à l'heure. Nous demandons tout le monde éviter marcher à pied ou bien à moto dans côté qui inondé parce que ça c'est danger que lié. Rentrer quand on ou de l'eau pas en balle n'importe qui ça capable priver. Si gè l'orage ou bien vent violent particulièrement dans zone qui en altitude yo, pas arrêter bon fenêtre, pas arrêter en bas bois, en bas pied bois. Fais attention justement pour nous pas exposer nous à risque côté l'orage ou bien justement et si vent racher pied bois ou bien racher tôle pour li pas bailler et pour pas blesser ou bien atteindre monde. Nous mandons toute population en tout éviter faire déplacement qui pas essentiel, qui pas urgent, essayer limiter et déplacement parce que route pral difficile, pral gen bouillon, nuage pral descendre, donc visibilité pral diminuer. Et enfin, ce qui est important, extrêmement important pour nous, c'est suivre conseil que non seulement protection civile au niveau central a bien pour communiquer, mais surtout ce que autorités régionales, départementales et locales a bien pour bailler au fur et à mesure que perturbation ça a évolué. Parce que là, je vous dis, nous avons celle qui couvre tout le pays, l'a continue à évoluer, même lorsque nous n'avons pas l'appui, nous avons l'appui cap la cap aller vini, Jean-Madame Selom te dit là, et l'appui aller vini ça après le fait que le sol est saturé et pour provoquer inondation. Donc, même si nous voyons que tant li couvri la pluie a pas tombé, ça pas veut dire que problème la résoudre pour ça. Rete suivre radio, rete suivre télévision et n'a porté nouveau conseil pour nous au fur et à mesure que situation a évolué. Dans même dossier mauvais temps c'est là gouvernement a annoncé li prend toute disposition pour capable accompagner département qui puis ciblé autant que département nord-ouest ni pas sud-est ak gadans. Ministre l'a mandé tout élu local yo pour yo pote coller ak ministère yon façon pour moun ki nan zone ki pi rekile yo capable tant de message ki gen pour passer dans ces circonstances là. A nous suivre. Gen koun ki partiellement activé et là gen sensibilisation qui a fait s'arrêter jusqu'à ce que
et mauvais nous sortir dans mauvais période ça mauvais temps ça gain en pile note pour la presse tout qui fait et qui pral continuer fait gain des instructions qui passaient à tout coordonnateur technique départementaux protection civile yo particulièrement ça qui dans grand nord yo qui dans sud qui dans nip qui dans grand danse et nous mandé yo suivre instruction yo depuis 24 heures pour informer, sensibiliser la population, particulièrement la population qui est dans la zone à risque. Parce que moment la pluie ça a entraîné de plus passer 30 à 50 mm la pluie par, dans certains côtés dans le pays. Nous demandons tout, tous les élus locaux, je voulais parler de magistrats, je voulais parler de Kazek, je voulais parler de Azek, avec délégué de ville. Yo. Nous demandons pour tant prix, pour te coller avec nous, pour faire que le message de sensibilisation arrive dans le côté qui est reculé. Tout côté que protection civile estime qu'il y a risque, particulièrement dans la zone côtière, côté la mer qui a monté, qui a déchaîné, qui a gagné inondation, eh bien, nous demandons, rete tant de consignes, si il y a une consigne pour délocaliser Mounsayo, eh bien, faut rete à l'écoute nous pour ça arriver fait comme ça doit. Très bientôt, ça a commencé fait et ça va continuer fait. Il y a des messages qui peuvent faire à travers téléphonie mobile, yo, qui parle de différents messages qui parle conjoncturel, qui parle bail à chaque fois que mauvais temps a évolué. N'a été vigilant pendant que n'a suivi minute par minute, seconde par seconde, évolution mauvais temps ça dans le pays. N'a rappelé que font ça, perturbation météorologique ça qui gagne là actuellement, il pral renforcer, doubler de en nordé, qui va venir à partir de demain si Dieu veut. Nordé à lui-même, c'est mauvais vent qui parle souffler à plus de 40 km à l'heure, qui parle souffler et qui certainement parle rendre tout cabotage, navigation difficile. Dans les minutes qui suivent là, supposé qu'on note officielle de Semana qui a interdit toute activité cabotage jusqu'à nouvel ordre. Pendant ce temps, certainement, nous ne pouvons pas en quelle mesure pour concerner l'activité scolaire, il y a continué normalement. Vols locaux yo, en provenance ou à destination de tout aéroport dans le pays, il y a maintenu jusqu'à nouvel ordre. Et en attendant justement que données ont changé. N'a quitté dossier mauvais temps et nous te dit dans grand sitio pas gain aucun raté gaz sur marché local là Jean yo ta fait quoi ça. C'est parole directeur général à bureau monétisation programme aide à développement Saint-Fleur Fizeme Ignace qui souligné pays a gain gaz disponible. DGBM Padla annoncé l'État haïtien a recevoir jeudi vendredi là livraison cargaison qui évalué à 200 000 barils de produits pétroliers annoncé. Cette prolifération est due à des citoyens qui ont pris sur eux-mêmes de construire des pompes à essence. Mais il y a un État, nous sommes dans un pays, il y a un État, il y a un gouvernement, il appartient particulièrement au ministère de l'économie et des finances, au ministère du commerce et de l'industrie, au ministère de l'intérieur et de la défense nationale et au gouvernement de jeter les bases ou du moins de créer la législation portant sur non seulement le fonctionnement, mais l'établissement et la construction de pompes à travers le pays. De ce côté-là, je pense
que le ministère de l'économie et des finances qui assure la présidence du conseil d'administration du BEMPAD, le ministère est conscient de cette situation et il entend prendre telle mesure que le doit. Le BEMPAD est dans une situation difficile pour le moment par rapport au, à l'effritement du programme Petro-Caribé. Venezuela peut-être à un programme qui n'est pas arrivé délivré en temps normal et en temps et à temps régulier cargaison que le TDW qu'on délivre. Compte tenu du fait que nous pas capable de recevoir gaz dans quatre programmes dans ce depuis octobre qui passait, hein, c'est une autre nouvelle. Nous obligés de faire des projections à la baisse par rapport à ça que nous avons gagné pour nous exécuter comme programme. Nous connaissons programme Petro-Caribe a été gagné deux composantes là-dedans, une composante dette à court terme et une composante dette à long terme. Composante dette à court terme, non, l'était représenté 60% pour nous payer de chaque cargaison qui finit et l'autre 40% c'est dette à long terme. Non, nous avons investi, fait deux projets là-dedans à travers des résolutions prises en conseil de ministres. À la vérité, depuis l'arrivée au pouvoir du président Jovenel Moïse, on n'a jamais eu de résolution prise en conseil de ministres portant sur et la réalisation de projets à travers le pays. Et le gouvernement a pris précaution utile ça pour le tendance là. Et heureusement que le prend précaution utile ça, tendance là pas changé. C'est que à cause du problème que le gouvernement Venezuela, du Venezuela, gagne aujourd'hui, il n'y a pas en mesure pour mettre en application effectivement toute disposition qui est gagnée dans le programme, non, qui fait que depuis octobre, il n'y a pas livré nous aucune garnison. DG BEMPAD là, tu es tout poté et quelques explications sur la question pompe à essence qui a construit Tibor et Babor dans le pays d'Haïti. Nous parlons au niveau du Parlement haïtien, puisque il y a un secrétaire général, chama député Guy Gérard-Georges, qui annonce toutes dispositions déjà mises en place pour ouverture deuxième session ordinaire année législative là, lundi 8 janvier, qui a venu là. Travail à préparatif pour ça, la séance là avancée, d'après secrétaire général, chama député qui fait connaître l'autre bord, toute planification sécurité, logistique a déjà faite pour accueillir président République Jovenel Moïse, Premier ministre là Dr Jacques Guy Lafontaine et membre gouvernement dans cadre séance si là. En nous souvient extrait dans micro Saint-Croix-Paki avec Moïse Ulbrich. Nous commençons le travail de concert avec le Sénat pour que tout préparatif fait pour lundi qui c'est tradition constitutionnelle nous. Deuxième lundi de janvier, eh bien, ouverture en Assemblée nationale de première session dans la troisième année législature, qui c'est la 50e législature là, l'arrivée faite. Donc, comme ça, il y a des dispositions qui commencent à prendre. Après, dans la cour, nous avons beaucoup moins d'employés, parce que nous avons des dispositions formelles que nous prenons pour nous recevoir, surtout employés que nous allons utiliser pour l'Assemblée nationale. Même j'en tous, soit aller dans la séance, on va pouvoir que les vide. Parce que d'habitude, les gains à l'Assemblée nationale, ce n'est pas bureau, donc c'est chaise. Et surtout que, première session, on connaît que n'a pas recevoir non seulement le président de la République, n'a pas recevoir le premier ministre, n'a pas recevoir le corps diplomatique, n'a pas recevoir en pile l'autre parti politique, n'a pas recevoir d'autres invités de marque. Donc, ça m'a dit pour gagner une disposition qui prend, surtout le niveau sécurité, surtout le niveau salle de séance là. Donc, pas oublier, c'est nous-mêmes qui avons recevoir, députés et sénateurs. Donc, ça fait toute disposition. Ils ont commencé à partir de nous-mêmes. Et moi-même, en tant que secrétaire général au niveau de la Chambre des députés, donc mon travail de pair que m'a fait avec le secrétaire général au niveau du Sénat de la République, donc les deux présidents, président Chambre député avec président Sénat, il y a des dispositions qu'il y a pris ensemble. Donc, il y a un travail qui commençait et qui a continué jusqu'à lundi
la matin. Disposition que nous apprenons là, c'est des dispositions coutumières, c'est bagaille que nous habitués avec eux déjà. Donc déjà, salle de séance en livide, gain compagnie qui travaille là-dedans. Donc compagnie non seulement pour faire propreté, mais en pile fois ouais que yo changer toute chaise qui en dedans et le plus souvent c'est une compagnie qui est responsable pour capable faire ça. Au niveau de la cour, même disposition pour capable parking, une disposition sécuritaire qui prend déjà ouais, donc presque tout agent sécurité nous a travail, agent de protocole nous a commencé un travail déjà et me penser que clair nous a bien emparé. Les mon capable dit prend disposition même pour nous parer avant lundi. N'a pas très la question l'église gagne nouvelle archevêque métropolitain Port-au-Prince monseigneur Max Leroy Mésidor qui quitte ville Cap-Haïtien pour les rentrer officiellement dans nouvelle archidiocèse li Port-au-Prince. Et pendant ce route li nouvelle archevêque là t'est passé dans commune Croix-des-Bouquets hier jeudi 4 janvier. Une délégation nan mairie Croix-des-Bouquets ak plusieurs pères mais fidèles catholiques te présent pour capable accueillir nouveau pasteur qui nan tête archidiocèse Port-au-Prince. Porte-parole la mairie Croix-des-Bouquets a salué passage nouvel archevêque à Port-au-Prince là nan commune pendant li souhaité li bienvenue. En nous suivant extrait. Agence magistrat Ronny Collin voulait montrer engagement le bon côté l'église. Agessa, magistrat voulait montrer volonté pour capable continuer travail pour développement commune Croix-des-Bouquets. Pas seulement sur plan social, infrastructure, santé, loisirs, éducation, mais tout pour faciliter chaque grain citoyen dans la commune vivre la foi dans bon Dieu la vie. Excellence, monseigneur Max Leroy Mésidor, nouvel archevêque Port-au-Prince, nanon magistrat Ronny Collin, m'a dit bienvenue dans la commune Croix-des-Bouquets. Monseigneur n'a pas hésité de pouvoir passer dans la commune pour faire un pour capable boire un petit café avec nous, parce que Croix-des-Bouquets, c'est la caille. Parce que nous-mêmes, peuple Croix-des-Bouquets, nous aimons recevoir moun. Nous-mêmes, nous aimons moun. Monseigneur, encore une fois, nous disons que vous êtes là. Dans ce sens, nous demandons des grands maîtres pour être capables de continuer à accompagner dans la nouvelle mission que vous avez pour être capables d'accompagner chaque grand fidèle dans l'archidiocèse pour être capables de chercher grand maître. Magistrat Ronny Collin veut dire merci spécialement à différents curés, différents paroisses dans la commune. Qui te chita ensemble avec lui pour être capable d'organiser grand événement ça. Qui mobilise belle fidèle ça ou là qui jodi à la pour capable recevoir nouvelle archevêque ça. M'a demandé nous s'il vous plaît en remercier différents curés qui là avec nous, père mère qui fait déplacement pour que nous t'es capable de bel événement ça. Nouvel archevêque métropolitain Port-au-Prince, monseigneur Max Leroy Mésidor, bon côté Pali, exprimé quel content li pour accueillir, recevoir dans la commune Croix-des-Bouquets et puis demander collaboration, toute paix, mais avec fidèle catholique. On nous suit. Moi, je viens pour Port-au-Prince à tout cœur. Moi, je viens à toute bonne disposition et me compter sur la grâce, mon Dieu. Je compter sur collaboration, toute paix, toute main, toute laïque engagée. Pour nous capables de faire mission, mon Dieu, confiez-nous, annoncer l'évangile de délivrance là, l'évangile vérité à, l'évangile la vie à. Merci, merci à votre parole là. Ma possibilité pour me passer dans toute paroisse qui sont commune et votre parole là dit, je me passer quoi des bouquets, je me passer dans la commune là, pour me boire un petit café, même si je dis le café à force servir à demain, il faut qu'il y ait un alors, ma bébé. Et de préparer, de m'amener mon petit café, de manger mon souper ensemble dans la paroisse. Maman de grand maître là pour le bénir. Comme nous devons longtemps, ni nous-mêmes, ni moi, et puis après nous pouvons rester au pays de longtemps, maman de nos bénédictions. Maman de mon Dieu pour le soutenir nous, pour le bannir toute grâce, pour aller ça capable bon pour nous. Ça capable de mettre à genoux, ça capable d'arrêter quand vous. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce. Et vous gardez en elle tout au long de cette année.
Amen. Nourrissant vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Amen. Que l'esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'un la caille nous dit tout le monde, mon cerveau et bonsoir à vous. Et c'est ce chapitre ça, nous fermons le dossier local là, nous prenons dans l'international là. Et nous disons tout dans grand titre, gros tempête Eleanor qui a frappé le pays, la France, déjà tout y est trois mouna et puis il y a trois autres qui disparaissent. Euronews pour plus de détails. Une partie de la France est toujours frappée par des intempéries, notamment les Alpes, où le risque d'avalanche est à son niveau maximal après d'importantes chutes de neige. De nombreuses pistes de ski sont fermées. Un agriculteur a été retrouvé mort hier après-midi sous une coulée de neige en Savoie, ce qui porte à trois désormais le bilan des victimes de la tempête Eleanor depuis mercredi. Par ailleurs, toujours dans la même région, un pompier a été emporté par un torrent alors qu'il portait secours à une famille. Les recherches se poursuivent pour le retrouver. Une vingtaine de départements sont toujours en vigilance météo orange en raison de la neige, mais aussi des fortes pluies et des inondations sur l'est, le nord et le sud-ouest. Le retour à la normale est annoncé en fin de journée. Cette tempête a frappé plusieurs pays de l'ouest de l'Europe, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Allemagne, Irlande ou Royaume-Uni. N'a quitté le continent européen, n'a privé en Amérique. Gagne un livre qui portait nos feu et fureur. Qui t'a dû sortir jeudi à la dans pays États-Unis. Moun qui écrit l'Ebsa, tacle le président américain Donald Trump à tout entourage li. Avocat président et essayé faire tentative pour empêcher l'Ebsa sortir. À nous suivre. C'est un livre explosif pour Donald Trump qui doit sortir ce vendredi. Ses avocats ont tenté de faire annuler la publication de l'ouvrage qui dresse un portrait au vitriol du milliardaire dans sa course au pouvoir. Steve Bannon, l'ancien conseiller du président américain, se serait livré à des commentaires acerbes avant de se rétracter ces derniers jours. Le président des États-Unis est un grand homme. Vous savez que je le soutiens tous les jours, que ce soit aux quatre coins du pays en délivrant sa parole dans cette émission ou sur Internet. Les avocats de Donald Trump seraient déjà sur le point d'attaquer Steve Bannon, limogé en août dernier. Le président américain estime qu'il a perdu la raison. Je ne sais pas, il a dit que j'étais un grand homme hier soir. À l'évidence, il a changé d'avis très vite. Merci beaucoup. Je ne lui parle pas. Ce n'est pas de circonstance. Merci. Face à la polémique, la porte-parole de la Maison-Blanche entend minimiser ces révélations. Sarah Huckabee Sanders évoque un livre qui commet erreur sur erreur et égratigne l'auteur dont personne n'avait entendu parler jusque-là, selon elle. Mais déjà 7h30 dans tout studio TNH, l'arrivée moment pour nous capables d'aller. Mais avant nous dire bye-bye, permettre que nous rappelions le grand point qui domine. Président de la République, là, Jovenel Moïse, remet un jeudi 4 janvier 2018 là, y a le matériel à la direction départementale non ministère Travaux publics, Transport et Communication pour faire travail infrastructure dans le département SILA. Matériel ça a distribué dans le cadre préparatif pour lancer caravane en changement dans le département nord pays d'Haïti. Le gouvernement a annoncé qu'il prend toutes dispositions pour capable accompagner le département qui est capable de victime en bas mauvais temps qui a frappé le pays d'Haïti. Autorité ont continuellement des populations pour l'irriter vigilant. Le gaz disponible dans le pays d'Haïti, pas de aucun rate gaz sur le marché, c'est Paola, directeur général du Bureau Monétisation Programme EDA et Développement BMPAD, Fizeme Ignace Saint-Fleur. Et puis, à l'étranger, trois personnes ont mouru, trois autres disparaissent dans le pays de la France à cause de la tempête Eleanor qui frappe plusieurs départements dans le pays. Gros la pluie et neige continue à tomber sur la France qui menait gros inondation.
Nous te contents ensemble avec vous pour être capable d'informer vous. Avant que nous allions, nous disons bon anniversaire à collègue Jude Ketsapierre qui t'a fêté hier un nouveau printemps. Bonne journée tout le monde sur le territoire national d'Haïti et nous souhaitons passer un très bon week-end. Rendez-vous avec le journal matin, c'est lundi pour une prochaine édition. Bye bye tout le monde.